know what was funny? I... Say something. Something we do? Brilliant? When to tell it me? Is snowing outside. Whee! Meg. Meg. Cassie? It's snowing? It's snowing. Tell what we marvelous. Did so far. It's just, I'm on camera. Yeah. I mean, I'm talking yeah. on camera. You're talking. I feel like Mr. Ed, the talking horse. The talking mm-hmm. horse. Well, we woke up this morning and it's snowing but, madly. We have had a sort of a hectic day on the airlines yesterday, 3 connections. It was quite a while to get here. We landed in the snow. But we were greeted by 2 darling little cousins, Yolan and Mort, and I think they were very excited to see us as we were to see them. Came back to the hotel, rested up a little, and had a nice Mexican dinner downstairs, and a really good visit, planning our strategy for this week. And this morning, it's snowing, and everything is beautiful. Robert, what do you think about the snow? Oh, it's beautiful, except it stopped snowing. Oh, it's still snowing. No, it's still snowing. I can't see it too well through oh, here. Look on this side, Robert, how deep it is, where it's a little covered. Where? Look down here. Oh, yeah. It's thick, thick. Oh, isn't that beautiful? Oh, this is perfect, huh? This is one of the main things we wanted to see. Mm-hmm. You're not taking me up close. Oh, Robert, that's not fair. Here goes. Slip and slide. Yolan, look. Yolan. Ah, I got it. Since last night when we came in, it was beautiful. We know that, Robert. Why are you telling us about that? A blanket of snow. This is for the people in Louisiana. Yeah. And these are the Parliament buildings right here. And if you pan around, it's gorgeous. Let's all point to the Parliament building. Beautiful. Gorgeous. Oh, that's beautiful. Isn't that gorgeous? Open your mouth, you get a big snow cookie. Oh, yes. Okay. I go for your bottle. Do you want this? How do you like it? I love it. Yeah, babe. Right about you having extra gloves because your gloves get wet. Yeah. However, my keep gloves like that. We want a picture of us with the Drapeau de Canada on our cracks are made. Oh. Oh, I remember this. Yeah, because I was here. Y'all look too warm over there. Ready to go? Time to go. I got to get Yolan's picture. Well, she was in. All right. You get her picture. I still have the red. It's on. Yeah. Okay. But I. Okay. Yeah. Okay, Yolan. Get a picture of her with this in her face. No. You wouldn't put any more. I bet you don't put any more in my face. Oh!
likes it. Besides, you can't see. Oh. Okay, embassy. Let's go. Okay. So, you want to see if we can get in the embassy too? Oh. Do you want, are you interested whatever in that? Whatever you suggest. Okay, well, we'll suggest that I go, let's get back in the car. Let's go to the regional center. Okay. Rolla needs to get some dry boots. No, I don't need that. I don't need people along the road. Can you take them from the car, Robert? Yeah. Mm-hmm. Great. I'm taking some. Follow slowly. Tell me when to stop for Robert, you know, we can trade. I can't find the. Seems like there's snow on that side, right? Then you go. Make him sit back, maybe we can see better. Yes, but you see, people can't Robert, wait. Can you get that? Yeah, you're right. It's yeah. Mission down here. Look how pretty that is. Oh, I've got my flag. Yeah, but I was moving. I should have stopped. Oh. It's going to slow. It's the last camera. Here. Oh, beautiful. Okay. Oh, you're right. Look at the left side. Open your window. That is Jolie. The left side, yes. Can I move or do you want me to start? No, this is fine. This is fine. Just go about like you're going. A few minutes. I've got those on. All I need to do is stop and wait till the other people go by and just stop. Mm-hmm. Yeah, that tells you that you're slow moving too. This car is much like mine. It's a heavy, heavy car. That's an Impala. No words. To the right does not count. No words to the door. That's not gorgeous. That's not gorgeous. Oh, Robert, there's also a bridge. Where? Oh, yes. And there's a bridge with snow on top of it. Oh, yes. Isn't that pretty? You see it? Yeah. Covered bridge. Snow covered bridge. Alice, isn't that beautiful? It's gorgeous. A veritable wonderland. When do y'all quit having this? What, in March? Is March about the time you quit having April, this? April, March, mm-hmm. End of March, beginning of April. End of, So we were here at a good time. Yeah. No, it's fine. It's fine.
able to stop here. You can't see them. No, you can't. Whatever, yeah. That was a cute little family. See my office? The big red building? Yeah. Yes. Oh, yeah, I'm big. How many stories is it? About 32. House that if I could get it, well, not the name,
Did you notice how they put little signs of lost dogs on the post? You notice that? Yeah, little sign. That big, like we used to have funeral signs. There's a picture of the dog and the description. It says lost dog. It was on that post back there. Huh? Well, that's... And what was the position? Ahead of the crowd. Yes, the representative. You can visit Park. I often thank you to visit the public park of the residents of Park. What are you filming? We're only going to the grocery store. Alice? Too long. What would you do it to me? Let me try your
Ah! Sur mon lit de rice soupelle. Sur mon lit de ton. Look at the beautiful salad he made, you guys. Come here, you gotta take it. Oh, that's gorgeous. This is his specialty. It's called the love salad. La salade d'amour. La salade d'amour. Yeah. Wonderful. Who made this? I want to know. Laurent. I have some at the hotel. By ici. So you're at what hotel? Relax. It's been a while. What was that? Son quoi? Il faisait parler de Sonia devant son œuvre d'art. Une sorte de blanc? Eh oui. L'art de Nico? Depuis quand? Une semaine. J'ai jamais su ça. Une semaine. Oui. Next time you go to the barbershop, would you call me? Ben, vous avez, vous savez. We'll go this week. Yeah. Une fille and everything. You couldn't see my eyes. You were hippie. Ah, je pensais que c'était hippie. T'as l'éducation physique. Hippie. Oh,
c'est en jouant au soccer. Il a donné un coup de pied, mais pas sur le ballon, plus sur la jambe de quelqu'un. Oh, They were breathing in the instrument. I had to have them just blowing. The girl, 18 years old. This is show and shell. What happened last night? In the car? No. Where did we go last night? You don't know? You had a better time than you thought you did, Robert. We went to Yolande's apartment and had a beautiful party. We met two brothers and a sister who was there, besides others, friends. And she served a beautiful meal. We had a wonderful time. And Helen was there. Got to see Helen. She was looking great. John, yes. I had met them before. Andre, Laurent. And the daughter, yes, And friends. It was fun. May? Yolande lives in the lobby, and we had bought a card for Angela and Maurice, and we decided to give them a money gift, and we were all going to sign the card, and I walked out of the restaurant first, and Roland was right behind me, and I asked him, I grabbed him by the arm and asked him if he wanted to. We were going to sign the card. I said, do you want to do it in the lobby? And as I turned and looked around, I had, instead of rolling by the arm, I had a Mexican by the arm. And he was just as surprised as I was. He shot out of the lobby. What about yesterday afternoon? We shopped around. Your lawn was very generous. At Rideau Center. And what? At Rideau Center. Rideau Center and the gorgeous mall, and we went to eat in this huge store similar to the one in London and did a little shopping here and there. And then by that time it was time to go on to her apartment. We went straight from there shopping. No, we did. What about the tour? The park, that's right. From there we did go to the park. And Gastineau Park, we saw the canal and the which had been frozen over, but the ice was beginning to melt, so they were no longer able to do any ice skating there, but we drove on, saw beautiful, beautiful areas, and they were covered with snow and ice, and you were able to take some pictures. And then this was in Hull, and then we drove around that area, saw some of the lovely homes. We saw the University of Ottawa and all of the buildings attached to that unit, and then let's see, what else did we see in that area? Then from there we went grocery shopping, and then went on to. The grocery stores were different from ours. It was an IGA store, but the labels were different, and there were many French and English both on the labels, and many of the things were similar to ours. However, there were a few things that we do not see in our grocery stores. And then they were very busy at that time of the evening. And then we went to Yolande's from there, and we helped her with her supper, which was a delightful meal. And she had her friend, Roseanne, who helped us, but she could not stay to eat because she had to teach a class. But she had her brother, Laurent, and his wife, and they brought this beautiful salad called La Salade d'Amour, which means salad of love. And she had stir fry, broccoli, and mushrooms, and bell peppers, and onions. Oh, and the drinks were cooled on the balcony because by that time it must have been maybe freezing, I'm sure, that night, yeah. Huh? And she has a lovely apartment on the 11th floor. Then we set a beautiful table of, there were 13 people there, I believe.
And Andre came in with his wife and his daughter. And and of course, all of us. And Helene was there, and John was there. And Ron, his wife. And I think we had the little daughter. Yeah, that was Laurent's wife, yeah, but said that. And then Laurent brought in the most delicious pie called, the pie was called sugar pie. And it was delicious, it was different. Sweet, very sweet. Sophia. She was at the reception when you came up. Because when she walked in the kitchen, she said, oh yeah, she said, I met you. She said, I met you before. Thank you.
Bonjour, Angela et Maurice. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ce 30e anniversaire de mariage. Comme vous pouvez le constater, 30 ans de mariage, ça se souligne. On ne passe pas ça sous silence. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble cet après-midi, en étant avec vous de tout cœur pour ce 30e anniversaire de mariage, pour rendre grâce avec vous pour toutes les merveilles du Seigneur pendant ces 30 ans, et que le Seigneur puisse ainsi continuer à vous donner encore beaucoup plus que 30 ans à vivre ensemble et aussi avec les vôtres. Et en votre nom, Angela et Maurice, ça me fait plaisir aussi de souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux vôtres, à Marc, à Gaëtan, à Michel, et à vos frères, à vos sœurs, à vos amis, paroissiens, paroissiennes, et aussi au Père Guindon, ami de la famille, qui vient se joindre à nous cet après-midi pour concélébrer cette Eucharistie. Et ensemble, en débutant cette célébration, nous voulons ouvrir tout grand nos cœurs pour nous émerveiller avec vous de tous les bienfaits du Seigneur. L'amour véritable est difficile et la vie conjugale est l'un des lieux privilégiés pour faire l'apprentissage de l'amour. Mais par définition, un apprentissage, c'est quelqu'un qui n'est pas encore passé maître dans son métier. C'est... ce jour de votre anniversaire de mariage, voulez-vous renouveler votre engagement matrimonial avec Angela, votre épouse, qui est ici présente? Et toi, Angela, en ce jour anniversaire de votre mariage, voulez-vous renouveler votre engagement matrimonial avec Maurice, votre époux, qui est ici présent? Oui, je le veux.
Alors que ce renouvellement de vos promesses de mariage intensifie encore votre volonté d'être unis l'un à l'autre et attire sur vous la bénédiction de Dieu Père, Fils et Esprit. Amen. Ok, on va s'ajuster ça après. La vitalité va sortir à 20h30. Oh, ok. Ça passe, mais ça passe tout juste. Seigneur, notre Dieu, daigne bénir Angela et Maurice et les sanctifier dans leur amour, et puisque leurs anneaux sont le signe de leur fidélité, qu'ils soient aussi le rappel de leur amour pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite maintenant à exprimer tout cet amour encore que vous avez l'un envers l'autre en vous embrassant. On peut les féliciter. Thank you.
convaincus et engagés, prions le Seigneur. Dans ton amour, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de nos familles, afin que nous gardions, nous et nos enfants, l'héritage de foi et de courage que nos parents nous ont transmis, prions le Seigneur. Dans ton amour, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour Angela et Maurice, afin qu'ils continuent de progresser dans l'amitié de Dieu, qu'ils soient toujours des exemples vivants de fidélité, de courage et d'amour, prions le Seigneur. Dans ton amour, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour leurs parents et amis, pour tous ceux qui les entourent, afin, ici, de leurs affections et pour tous les amis qui n'ont pu venir aujourd'hui, afin qu'ils profitent du témoignage donné par les jubilaires, prions le Seigneur. Dans ton amour, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les époux ici présents, afin qu'ils retrouvent aujourd'hui la joie de leur mariage, prions le Seigneur. Dans ton amour, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos parents et amis défunts, pour tous ceux que Dieu a rappelés à lui, prions le Seigneur. Dans ton amour, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui sont dans la peine, afin qu'ils soient aidés par un foyer accueillant et fraternel, prions le Seigneur. Dans ton amour, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, notre Père, écoute la prière de tes enfants. Accorde à Angela et Maurice et à nous tous ici rassemblés la grâce de te servir fidèlement par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, nos prières et nos offrandes que nous te présentons dans la reconnaissance et la joie de nos cœurs. Veille avec tendresse sur Angela et Maurice qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de mariage. Donne-leur le courage de te servir fidèlement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. C'est bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre droit, de t'offrir le chant de notre louange à toi, notre Père et notre Dieu. Car tu as fait l'homme et la femme à ton image, et tu as mis en leur cœur l'amour qui les attache l'un à l'autre pour qu'ils ne soient plus qu'un. À travers les peines et les joies de leur vie, au long des fatigues et des joies quotidiennes, tu leur dis que tu es proche. Par la communion de leur amour et de leur destin, tu fais grandir en eux ta propre vie, jusqu'au jour où tu combleras tout leur espoir en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et maintenant que le mystère de ton amour se révèle encore une fois à nos yeux, nous unissons notre louange à celle de tous les vivants qui sont auprès de toi pour chanter et proclamer. Le ciel et la terre sont remplis.
en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Yeah, and for, I can just,
Wait. At a moment donné, you know, I was going a little, I wasn't where I should have been. And she stopped singing, and I said, that's a single. Because she was singing, and I said, here I am. So she didn't, because she was afraid that she wouldn't get the proper note, because she was singing in the alto. I said, there it goes. But it didn't show too much. Bonsoir. Good evening. Bienvenue un peu chez nous et bienvenue aussi à tous ceux et celles qui viennent de loin, qui viennent de près, mais qui viennent par amour et amitié pour Angela et Maurice. Thank you all for being here tonight. The evening is just starting and I think you have already started maybe drinking a little bit. A little bit. We'll invite you now to start dinner. We will start with this table before, and then we will ask the people starting at the back of the room. I would like to invite you to circulate just in front of here and go around by the wall over there. Alors, je vous inviterai pour faciliter le service et les déplacements. On va laisser la table d'honneur se servir en tout premier. Et ensuite, on va commencer par les tables du fond qui vont passer devant la table d'honneur et retourner à leur place par la rangée le long du mur. Je vous souhaite un bon appétit et nous vous revenons sous peu. Enjoy! Avant de procéder, s'il vous plaît, je demanderai au Père Régent et au Père Guindon de bien vouloir venir bénir cette table. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, viens bénir cette amitié, cette fraternité que nous vivons ensemble et qui vient exprimer ta présence parmi nous. Viens aussi bénir nos jubilaires d'une façon toute spéciale, Angela et Maurice. Et viens maintenant nous bénir et bénir ces tables au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Dis bonjour à ta belle femme. Ah, tu vas en avoir une copie. Pour Judy, Jean-Louis, tout le monde. OK. Attends que je revienne. Il viendra te chercher du bain. Michel, viens-nous à l'autre bout aussi. Bonjour à tout le monde qui ne sont pas là de la Louisiane. Ah, ben oui. Bonjour à tout le monde qui ne sont pas là de la Louisiane, madame. Merci, le personnel des repas. Merci beaucoup. Merci. C'est une occasion de parler dans le futur, parce que quand les gens vont regarder, ce ne sera pas aujourd'hui. Ça va être une prospérité, c'est vrai, ça va passer. Look at this gorgeous hunk. This guy is my godson, and I wouldn't trade him for anything in the world.
The other one, unfortunately, is taken. No, merci. He's Matt's husband. Of you hoping you will see this soon, so you'll have every detail of the feast. See you later. Oh, something that's not done often. We should get an idea of who's filming. It's my godmother. I'll just take the camera, flip it around for a second or two. Yolande, the camera person for now. Avec la pelule. Oui, oui. J'ai la moitié. Ça fait que la dernière, c'est la pelule. Je tourne. Je vais te faire un peu. Ou alors, je change. En fait.
Alors là, j'appelle François qui est dans le fond de la Colombie-Britannique. Tu sais. Je dis à François, mais j'ai dit là, Daniel, je lui ai acheté des couches qu'on appelle les. Comment est-ce qu'on les appelle? Allez. On les appelle indisposables. Oui, c'est spécial. Okay. C'est spécial. Puis elles sont dans des sacs recyclés. Oui, oui, d'accord. Elles sont toutes en coton, elles sont toutes faites évidemment avec le velcro, comme le cochonnet. Mais c'est comme ça, de toutes choses. Mais on met une année. Mais ça a été sur 200 pièces. C'est trop juste, hein? Alors, on regarde Steph. Est-ce que ça fait plaisir? Non? Non? Tout le monde dit que je suis pas mal. Quoi? La postérité. Le traiteur, c'est quoi le traiteur? Je me rappelle plus. Tu savais tout du nom du traiteur? Non, Marcin, je pense. On va regarder comment ça va. Tu viens jusque-là? Un gros plein, Mary. Ce qu'on est en train de vivre, c'est juste la fête. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? T'as décidé de venir, François? T'as décidé de venir, c'est le fun? Je venais, mais je suis allé voir des amis là-bas. Ok. Ah, il y a d'autres affaires qui se passent. C'est la journée des filles aujourd'hui. As-tu un message? Un message pour les absents? C'est très bon. Très bon. Vous manquez. J'aurais aimé ça que vous soyez là. Bonjour Yolande. Ça va-tu bien? Oh, parfaitement. Allô, ma tante Aline? Si tu nous vois, là, tu dois sourire. Tu vas voir, on va te tenir au courant de tout ce qui se passe. Bye. You get me. So just get my hair, top of my hair. You have little white. You have a message for the people who couldn't come? Yeah. You have a message for the people who couldn't come? Oui, Yvette a dit qu'elle pouvait profiter et qu'elle pouvait penser de toute la famille pendant toute la fin de semaine. C'est toi qui l'as fait de Hélène? Oui. Say something nice, oui. Sing a little song, remember? I don't remember that. May West. I can't sing it in French. Smile, Loretta. Come on, Loretta. Smile. Wink in your eyes. Bright eyes. You're embarrassing. You'll see that little dude at the museum that he's right in front of the room. Oh, we're going to have each other. You got it right? Judy. Oh, yes, me. Judy. Vous êtes allé sur l'ange d'une caméra. Je ne sais pas si vous avez ça là. Ça va être un peu plus de temps.
$10 comme ça, faire ça. C'est payant, c'est payant. Non, mais continue, mon vieux. Vas-y, tu as plus d'argent que ton père. Continue. Là, tu vois, cet été, là, les filles leur ont suggéré ça. Mais oui, ils ont tout dit comme ça. Hi, Ellis. You want to talk to Rose? Talk to Rose. To Rose? Yeah. Rose who? Rose Lacoste. Hello, Rose. Oh, yeah. We're having fun. Wish you were here. Yeah. Say hi, Rose. Wish you were here. She'd enjoy all this food, I can tell you. Besides everything else we enjoyed, she'd enjoy the food. Oh, look how pretty. Pretty, pretty. Oh, broccoli and all this. Oh, yeah, broccoli and all this. And cauliflower, you can have that. And all of this, you can have this. It's because of Louis Lézard that Angela and Morris had the chance to meet. He's the brother-in-law of Maurice. À côté, nous avons Juliette Cléroux, une amie de longue date. On pourrait dire que c'est la grand-mère adoptive d'Angela et Maurice. We could say it's the adoptive mother of Angela and Maurice. Afterwards, as you know, Maurice, Angela, myself, Gaëtan, I'm sitting there. Marthe, Michel Séguin, Marthe, Marthe's husband. Le mari de Marthe, Michel Séguin. Assez beau. On aimerait lever un toast à la table d'honneur. Au jubilaire. Au jubilaire, Angela et Maurice. On aimerait également ajouter, si les gens veulent se servir de nouveau, vous êtes les bienvenus. Anyone who wants to have second serving, go ahead, we have a good meal on this one. Et la table qui est tout près d'eux, ce sont des cousins de Maurice. Il y a Gaston Saint-Pierre, Mathieu Saint-Pierre, son épouse Germaine. Oh, je sais encore. Également Marcel, la cousine de papa, Marcel Larocque, et Roland Labrosse, qui sont avec nous. Wow. Si je poursuis à la table tout à côté d'eux, se trouvent les plus dignes représentants du boulevard Riel. Hormis
ceux ici présents, bien sûr. Il s'agit de Francine Bédard et de son fils François Sarrazin et de sa mère, Madame Aline Bédard. Je passe ensuite à Mireille et Eugène Sauvé, eux aussi résidents du boulevard Riel, ainsi que Madame Mire, digne représentante du même boulevard. Et par la suite, des amis et connaissances de papa, tant reliés au travail. Oui, je pense qu'on peut parler de travail avant que papa prenne sa retraite. Il s'agit d'Arthur et de Jacqueline Goyette. Et maintenant, les plus dignes représentants de la région du sud de l'Ontario. J'ai parlé de la famille des Dionne. Il s'agit d'Émile, le frère d'Angela. D'Eugène et de Laura Papineau. Laura est la sœur de maman. À sa gauche se trouve Florence, une autre des sœurs de maman, ainsi que son époux, Rosaire Deschamps. Et encore une autre sœur de maman, Anna Montcalm, et son époux, Georges. Il me reste un frère à vous présenter. Il s'agit d'Edgar et de sa femme, Loretta. Angela n'a pas que des frères et sœurs, elle a aussi une cousine à Gatineau, Mme Rita Legros, qui s'est jointe à nous. Et on retrouve tout fait deux une table d'amis, toujours. Je pense à M. et Mme Fortuna Morissette, qui sont avec nous. M. et Mme Gabriel Roy. Et Pierre et Pierrette Villeneuve. Et tout à côté d'eux, d'autres amis de la famille de longue date. J'ajouterai même d'anciens confrères d'Université de Maurice. J'ai parlé de Jean-Lucien Tassé et de son épouse Carmen Pierre. Je vous présente un autre confrère de classe de papa, le père Roger Guindon. And what is there to say about such lovely cousins who come from so far away? They have joined us since Thursday night. They flew from New Orleans, Louisiana, and they're here with us for a whole week. May I introduce to you Monsieur Robert Hébert, Miss Marie-Louise Lacasse, Monsieur Roland Broussard, Miss Alice Gordon, and Miss Marguerite Broussard. Might I add that no more than 8 months ago, Hélène, Angela, Maurice, myself, and Michelle were in Louisiana. And could we add that the reception we had over there was incredible. And to this day, there's not one day we do not think about you and talk about our trip. Et je ne peux passer sous silence la sœur de papa, tante Hélène, qui a agrémenté la cérémonie de son chant. J'ajoute que c'est Hélène qui chantait au mariage de Maurice et d'Angela. Bon, je passe ensuite à la table la plus difficile parce que je connais presque personne. Alors, je devrais de quelqu'un. Je commencerai donc par ceux et celles que je connais de longue date. Me connaissent également de longue date. J'ai parlé de Luce Waite-Rochon et de son époux Claude Rochon. Un grand ami de moi.
père, mon mari, de sa fille Anne, que je connais depuis très longtemps, et de son amie Annabelle. Et la présence parmi nous aussi de plusieurs amis de conditionnement d'Argela. Maman a fait plusieurs années de conditionnement physique, toutes plus mémorables les unes que les autres. Devrait-on mentionner l'amour profond que ma mère a pour les prochains? Alors voici donc, tant bien que mal, Dorothy Laroche. Son mari Bruno n'a plus se joindre ce soir car il est en convalescence. Alors nous lui souhaitons de bon rétablissement. Je parle aussi de Hélène et Tom Beach. Yeah! De Rita Dutilly, réflexologue par excellence de la région. D'un couple d'amis très chers, Brigitte et Yvan Gagnon. Je vous présente plutôt Inès, Liu et Jean-Guy. Madeleine Bélanger. Et bien sûr, Ginette Crépeau. Et nous avons commencé par vous présenter tantôt la table d'honneur et nous finissons par vous présenter les cousins. Je parle en mon nom et en celui de Gaëtan et par alliance en celui de Michel, des cousins sans qui la vie de famille serait souvent bien monotone. Ce sont les seuls cousins que nous ayons dans la région ici. Alors nous avons grande joie à les voir. Tout autant, bien sûr, que celle de nos cousins qui sont à Windsor et à Tecumseh, que nous manquons beaucoup. Alors, il me fait plaisir de vous présenter les fils et filles d'Hélène Vivard et de Lucien Vivard, qui nous a quittés l'an dernier. Alors, je vous les présente en commençant par Jeanne. Jeanne Vivard. Ensuite, sa sœur Colette. Ensuite, le grand Louis et Suzette au séjour qui est le petit Laurent. Ensuite, le petit Laurent, pas du tout bouillé. Son épouse Sonia. Et son fils Nicolas. Je passe maintenant à l'aîné de la famille, André. La caméra m'ouvre. Et Jocelyne qui l'accompagne, Jocelyne Crépeau. Et de Ben se joindre à nous également, Luc André, le frère, et Lise qui n'a plus être non ce soir. Et je garde pour le dessert celle qui me harcèle de sa caméra de tout temps et qui continuera à se harceler toute la soirée. Celle-là, je la garde pour le dessert. Il y a 5 ans, nous célébrions le 25e anniversaire du mariage de Maurice et Angela. Ce devait être chose très intime. Nous arrivions par autobus, la grande amie de toujours, Marcel Sabourin. Elle s'est jointe à nous pour le repas et nous surprenions Maurice et Angela chez eux 30 personnes plus tard. Alors Marcel a fait partie intégrante de la famille, bien qu'elle soit à Montréal. C'est pour ça que je la gardais pour la fin. Sa présence ici ce soir nous honore et nous en remercions cette année. Nous entendrons très bientôt le dessert et nous procéderons ensuite à une soirée un peu rapide. Merci.
c'est ça. Oui, c'est gaffe, je te le dis un le matin. Ah ouais. C'est pas les petits.